Alors, le théâtre français en Inde, trajectoire d'un comédien puis metteur en scène. Parlons de voyage comme il en est question. Nous voyageons tous avec plusieurs objectifs. Tourisme, mission, santé, deux jours ça compte tenu. Ici, il s'agit d'un autre type de voyage, du type qui se passe principalement dans une circonférence de 55 cm. Dans ce cas. Alors, quelques personnes voyagent et d'autres non. Quelques plats gastronomiques voyagent et d'autres non. Quelques religions voyagent et d'autres non. Quelques vins voyagent et d'autres non. Et hier, j'ai découvert, il m'a dit que quelques friandises de Benares ne voyageaient pas. Ça, c'est étrange. Est-ce pareil pour le théâtre? Peut-on choisir une pièce et la monter ailleurs que dans son pays d'origine, dans sa langue d'origine ou celle du pays cible? Est-ce que cela marche aussi dans le sens inverse? De la page à la scène, comment décrire cette trajectoire? Prenons une pièce française qu'on va produire en Inde. Bon. La traduction est la première barrière à traverser. S'ensuit le rôle du metteur en scène, avec tous les défis, du jeu de l'acteur au travail de la régie le jour du spectacle, en passant par les costumes, le maquillage, le décor. Enfin, vient le comédien indien. À quel point va-t-il être capable de comprendre et de projeter les éléments aux multifacettes de la culture étrangère? L'anglais, dit-on, est la langue de Shakespeare. Le français est celle de Molière. J'ai entendu dans un reportage de la radio française, récemment, RFI plus précisément, que les Indiens étaient friands de Molière. Je connais même un metteur en scène qui disait que si on choisit une pièce de Molière, le succès est garanti à 50%, déjà, au début. Toutes ces pièces sont traduites dans toutes les langues indiennes. À plusieurs reprises, j'ai cherché de bonnes traductions dans les bibliothèques et les librairies, et sans faute, je tombais à la rigueur sur des adaptations seules. Bon. Arpagon devient ainsi Mirza, Valère devient Nazir, Flèche devient Nambou, Mariam devient Mariam, Tartuffe devient Baba Gangaram. Je n'ai rien contre les adaptations si les traducteurs pensent que les Indiens ne sont pas capables de comprendre une pièce avec le nom des personnes que Molière a données. Mais le faire en pensant que le public indien est incapable de comprendre la culture source, là, je ne suis pas d'accord. Voyons voir. Peut-on adapter de la même façon le Ramayana et changer Ram en Jacques, Sita en Hélène et Lakshman en Lubin? On peut bien sûr adapter facilement les pièces de Molière. Ces textes sont indémodables. On n'est pas forcé de porter des costumes d'époque, car sa vision est telle que les thèmes qu'il traite sont présents même aujourd'hui et dans tous les pays. En revanche, je pense qu'on peut exposer notre public à la culture étrangère sans compromettre son authenticité et sur en même temps une belle éducation. Mahatma Gandhi a dit: je ne veux pas vivre enfermé chez moi avec les fenêtres closes. Je veux que la culture de toutes les terres souffle librement chez moi sans me déraciner en même temps. Et ce, fin de la citation, j'ai oublié. Et ce, avec toute l'authenticité possible et les moyens que l'on possède. Il y a un esprit qui appartient à Molière. J'ai tendance à le comparer à Shakespeare. Tout d'abord, les deux écrivains étaient des génies. Seulement quelques années et quelques kilomètres les séparent. Molière est né 6 ans après la mort de Shakespeare, à 340 kilomètres de chez lui. L'un écrivait en anglais et l'autre en français. Au-delà de ça, si on prend la toile de fond, on trouvera que les histoires de Shakespeare sont fondées sur la vie des aristocrates et que celles de Molière mettent en scène principalement des gens ordinaires. Jetons un coup d'œil sur les types de personnages que ce dernier nous présente. Le charlatan, l'hypocrite, l'avare, le misanthrope, les femmes savantes, l'hypochondriaque, et j'en oublie.
si bien que les noms de quelques-uns de ces personnages sont devenus des adjectifs dans la langue courante, le plus célèbre étant Bartartu. Ne trouve-t-on pas ces gens-là autour de nous? Alors, pourquoi changer les noms et les villes, et même quelquefois des scènes et des actes, pour qualifier la nouvelle œuvre de traduction? Ne serait-ce pas l'occasion d'offrir un beau voyage à nos spectateurs? On aime s'évader dans la fiction ou la science-fiction. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir une culture étrangère? Je ne parle pas seulement de montrer en quoi elle est différente de la nôtre. Vous serez parfois surpris par leur similarité. Voici un extrait de la traduction que nous avions faite de Georges Gondin, de Molière. Le texte en français est comme suit. C'est juste une petite partie que j'ai choisie. L'humain. Je voudrais bien savoir, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi il ne fait point jour la nuit? C'est une longue question qui est difficile. Tu es curieux, l'humain. Oui, si j'avais étudié, j'aurais été songé à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Cela est vrai. Tenez, j'explique du latin. Quoique jamais je ne l'ai appris. Et voyons, l'autre jour écrit sur une grande porte, collegium, je devinais que cela voulait dire collège. Oh, cela est admirable. Tu sais donc lire, Luban? Oui, je sais lire la lettre moulée, mais je n'ai jamais su apprendre à lire l'écriture. Alors nous, on se cassait la tête pour cette partie collegium. Au collegium, on est allé chercher, ça veut dire collège dans les dictionnaires. Et seulement, le traducteur Assad Hussein, qui faisait partie de ma troupe, il est devenu maintenant un écrivain très célèbre à Bollywood. Il a même fait le scénario du film Bajrangi Bajan. À l'époque, il était étudiant. Il a trouvé la réponse. Bon, voici la traduction. Juste cette partie. Abhi raste mein ek board par shauchalay likha dekha aur main foran samajh gaya ye sochne ka hi aasan ho sakta hai. Le rôle du traducteur est principalement ingrat. Combien de traductions ont été publiées mais jamais jouées, et combien d'autres ont été jouées mais jamais publiées? De quoi le traducteur doit-il tenir en compte quand il se met à traduire l'œuvre de tel ou tel dramaturge? Doit-il choisir l'approche courtière ou l'approche cibliste? Le spectateur s'installe dans la salle pour voir une pièce tel un lecteur devant un roman. Voir une pièce est un loisir comparable à la lecture, et donc un véritable voyage qui ne sera accompli que si on a pris en compte les 13 catégories de système sémiotique, à savoir le verbal, le paraverbal, la proxémique, la kinésie, le costume, la coiffure, le maquillage, les accessoires, les décors, le son, l'éclairage, la musique et le film, la projection, et j'ai ajouté le non-verbal. C'est ça. On trouve ces catégories dans littérature et spectacle de Tadros Kozan. Le metteur en scène. Le rôle du metteur en scène apparaît donc dès le début, dans le choix de la pièce, l'analyse des défis qu'elle représente, dans la traduction, le décor, les costumes et le choix des comédiens. Lorsqu'on a monté Les bâtisseurs d'Empire de Boris Vian en hindi, il s'agissait de faire partager à notre public indien une découverte unique, le mouvement vertical. Il n'y a pas d'entrée et sortie de coulisses, côté cour ou côté jardin, dans cette pièce. Le défi était de créer l'illusion que les comédiens arrivaient par en dessous de la scène. Il a fallu intégrer une caisse dans le décor qui partait des coulisses afin que les comédiens puissent ramper invisibles jusqu'à l'ouverture pour sortir de la trappe comme s'ils arrivaient de l'étage du dessous. Ainsi, on a pu préserver l'esprit de la pièce dans laquelle les comédiens ne cessent de monter à chaque acte avec toutes les connotations que cela peut avoir. Le succès, la solitude qui y est associée, le sens du danger, car plus on s'élève,
et plus dure sera la chute. On a poussé à l'extrême cette volonté de respecter le texte avec notre adaptation de Tartuffe de Molière, également en hindi. Pour celle-ci, on a décidé d'utiliser des costumes, du maquillage, des coiffures, ainsi que de la musique d'époque. Et ce respect du texte source a été très bien reçu, perçu par le public. Avec, en plus, un peu de créativité de la part du metteur en scène Kemadhavan, qui avait mis des roues sur chaque meuble sur scène. Donc la pièce a été accélérée. Les comédiens jouaient et les meubles jouaient avec nous. C'était vertigineux. Et on ne perdait aucune seconde avec les changements de décor, le noir, parce que ça se faisait en quelques secondes. Donc ça s'est bien adapté à des lits. Il ne faut jamais oublier à quel public telle ou telle pièce sera présentée. Il faut en tenir compte dans les mises en scène. Récemment, alors que je montais Hair, une pièce musicale de Broadway fondée sur la vie des hippies des années 70, il y a eu question de la nudité sur scène. Les comédiens étrangers y figuraient avec des Indiens aussi. Les étrangers essayaient d'imposer la nudité en disant que cette pièce ne passerait jamais sans nudité. Quant à moi, je n'étais pas d'accord, compte tenu du public indien. Lors de ces discussions, une fois, la sœur d'un des comédiens étrangers était présente et je lui posais tout simplement la question. Quelle serait ta réaction de voir ton frère tout nu sur scène? Elle a répondu. Ça me gênerait. Ce fut le verdict. Si la famille des étrangers même serait gênée, imaginons un peu la réaction des familles des comédiens indiens, leurs collègues ou même leurs amis. Parce que nous n'oublions pas, une pièce, c'est avant tout un comédien sur scène. Sans quoi, il n'y a pas de théâtre. Tel un coach de football, le metteur en scène entraîne les comédiens. Mais le jour du match, c'est la troupe qui sera sur scène. Le comédien. Revenons à Molière. L'esprit de Molière se manifeste dans son style de jeu de scène. Il a beaucoup puisé de la commedia dell'arte, cette approche italienne très exagérée, des fois vulgaire même, exige un jeu corporel unique. La langue aidant, il n'y a rien de mieux que l'expression à travers le corps. Intervient le masque. L'expression du visage reste figée. Le masque ne permet pas de changer d'expression. Il faudra donc trouver d'autres moyens pour exprimer les différentes émotions du texte et de la situation. Le comédien est obligé de s'exprimer par son corps pour y arriver. Si on enlève le masque et si on garde le jeu du corps, on obtiendra des dimensions extraordinaires dans l'expression. La question est de savoir comment il va interpréter tel ou tel rôle. Je pense que 5 éléments interviennent dans le jeu de l'acteur. Numéro 1, le comédien lui-même, en tant qu'être humain, avec ses qualités professionnelles et son caractère. Numéro 2, le personnage qu'il joue avec ses caractéristiques. Numéro 3, le co-acteur avec qui il est en dialogue, à moins que ce soit un monologue. Numéro 4, le personnage du co-acteur avec ses caractéristiques dictées par la pièce. Et enfin, la situation. Ces 5 éléments forment pour moi la force de la pièce. Ils doivent se manifester à chaque étape de la scène. Quelle que soit l'origine de la pièce, c'est élémentaire. Les différences et les similarités culturelles sont présentes tout d'abord dans les diverses situations que les pièces peuvent offrir. Si le comédien a déjà une idée sur la question, c'est une aide précieuse. Mais comment le savoir? Comment l'apprendre? La plupart des comédiens n'ont pas l'occasion de visiter les différents pays d'où les pièces nous arrivent. Les mouvements du chapeau emplumé d'un courtisan pour saluer le roi peuvent être ridicules s'ils ne sont pas exécutés correctement. Il y a des traditions à respecter. Quelques anecdotes. Quelques parents d'élèves du lycée français de Delhi sont une fois venus me demander de monter une pièce indienne avec les enfants. L'objectif principal de cette demande était d'inculquer un minimum de connaissances sur la culture indienne, comme ils n'y sont pas exposés vivant dans le pays même. Nous avions donc décidé de monter le Ramayana. Quand on est arrivé à la scène de la rencontre entre Ram et son gourou, je leur ai demandé d'improviser cette scène comme ils le sentaient. Celui qui jouait dans le rôle de Ram s'est levé pour aller serrer la main du maître.
Il fallait lui enseigner comment se prosterner. Et il trouvait ça très marrant. Un peu plus loin dans le texte, après le mariage de Ram et Sita, le nouveau couple allait s'embrasser et l'autre l'aurait fait si je n'étais pas intervenu pour le dire quand même, ce ne se fait pas. Dans la pièce Ayavadana de Girish Karnad, jouée en français, le rôle de Kali avait été donné à une française de souche. La couleur de la peau de la comédienne n'allait pas du tout avec celle de la déesse, c'est-à-dire, comment dire, celle qui est noire de peau. Je ne sais pas pourquoi personne n'a protesté. Peut-être qu'on a pensé que Kali était capable de prendre n'importe quelle couleur qu'elle voulait. Bon. Elle voulait danser sur scène. On a dit pourquoi pas. On a trouvé par hasard un morceau de tango. Elle est allée s'entraîner toute seule et le lendemain, nous a montré pour qu'on dise si ça allait ou pas. Tout ce qu'elle avait réussi à faire était une forme de rock'n'roll avec des expressions faites à la langue pendante. Pour conclure, il suffit de consulter la liste des pièces étrangères représentées dans les festivals pour se rendre compte que le théâtre voyage aisément. Le théâtre est considéré comme « the first 3D entertainment ». Les langues bougent plus que jamais en nous envoyant des souffles de leur culture. Nous devons accepter cette fraîcheur sans faute. Je voudrais terminer en citant l'un de mes comédiens. Un journaliste lui avait posé la question « Quel effet ça vous fait de jouer dans une pièce hindi traduite du français ?» Il a répondu « Cela m'est égal que la pièce soit française ou en langue des Esquimaux. Où qu'on aille dans le monde, tous les êtres humains ont les mêmes sentiments. Je fais du théâtre pour les découvrir tous et les exprimer sur scène. » Vous avez des questions, commentaires?